Fabiola? Fabiola? Oui, papi. C'est pas où déplacer le journal, moi, que t'es là? Non, on va déplacer un là, non? Qu'est-ce que c'est que cette chose que tu portes là? Quoi? Quoi, ça que c'est? Mais papi, son bout de pantalon a fait un corsage. Qui j'en réponds comme ça? Je ne comprends pas. Mais papi, vous posez mon question, me réponds nous. L'on prend ça, on met le sous dans la taille là. T'as les Julie lui-même. La flotte est sous lui. Pour la rue avec elle? Eh bien, papi, et pas moi pour dire Julie ça pour le faire. C'est où le plus grand, c'est où l'absurde. Et puis, si je m'en réplique. Et puis, Fabi Pénon. Julie, file de ta chambre. Jeune fille, arrête de faire ça sous tout de suite pour moi. C'est pas où seulement dans la taille là. Je pensais que tu étais en train de penser à quelqu'un d'autre. Mais non, pourquoi? Mais j'ai en face de moi une très jolie fille, voyons. Merci mon chou. Nex a tellement aimé belle femme. C'est pas la beauté qui compte pour moi chez une fille. Et c'est quoi mon amour? Jenny! Paul! Ok, ok. C'est la fidélité qui compte pour moi chez une fille. Les autres viennent après. Fidélité. Bon, en général, tout le monde t'a aimé fidèle, mais... Ça ne me dit pas là. Non, je veux dire... La vie est tellement compliquée pour certaines personnes que ça... Si je bien comprends, la vie, pour beaucoup, n'a infidélité en fille. Exactement. Oh, Je comprends. Là, comment il va? Ma vini, moi, ben. Oh, Jeff. Eh ben, ma toile avant. Yes, Jenny. Fais vite, oui? Infidélité. Ouf. Fabiola, oui? Quoi? A pour quitter si m'a fait tout bagaille pour contre moi? Oh, ça gars là. Qu'est-ce que t'as fait de musique non? Oh. Ok. M'a fait rien, le moment m'a dit le consacre, c'est pour contre moi de quitter m'la. Oh. Fabio, c'est pipiti. Ah bon? Tiens. Après. La soupe la chandelle. Des trucs de femme, mon cher. C'est problème, y'a comme mon problème. On va dire des petits là. Non, tout d'un coup. C'est vrai. Je peux vous aider? Oui. Salut. Je peux vous aider? Je peux voir ça? Oui, je vais prendre. Ça. D'accord. Ça coûte combien? 250 gourdes. 250 gourdes? Ok. Alors, vous sortez, Femvina? C'est juste une lotion, ok? Tenez, madame. Merci, au revoir. D'accord. Bye bye. Hey, tu viens? Oh. Romero. Juliette. Quoi? Ça va, c'est pas toi. Pourquoi elle est sous nous même? Hello, bonsoir. Patrick, comment ça va? C'est Julie. Oh, Julie, ça qui passe? Sûrement, Fabiola a encore fait une de ses conneries. J'ai juste appelé pour blaguer. Juste pour blaguer? Julie, vous entendez? N'y a pour le bail blague. Côté Fabi. Elle dort. Betty n'est pas là? Bien sûr, tu veux lui parler? Bon, mais oui. Betty, Julie veut te parler. Que veut-elle? Mais non! Ça a le besoin. Tiens! Allô, Julie, comment tu vas?
Je vais bien. Et tes parents? Ils vont bien. Et Fabiola, comment ça marche pour elle? Comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. T'as des noms, bonne nouvelle, non? Les bien, qu'est-ce que ça nous encore? Ah, ma chère, ne fais pas l'enfant. Dis-moi, elle n'aurait pas un petit ami par hasard? Pour qui sont posées une question ça? Sans besoin qu'on ait. Comment, pas un droit? Eh bien, sans besoin qu'on tout ça qui a passé dans la ville. Cherchez Jonah Fell. Moi-même, Betty, cherchez Jonah Fabiola, pas question. Eh bien, va te faire voir. Allô? 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 Ouais, tu vas m'en accoucher? Mais c'est normal, tout en fou et bouché dans ce paragado. D'ailleurs, ça fait blague fort, hein? Il va te faire non? Papa si tiré. Devant mon café bagay mal, bagay sale, son zanjouable là, vous comprenez ça? Tout de même, c'est 9 ans mis en café. La perte 9 ans mon là. Et puis, bon, ça va m'en aller. Depuis qu'on met ton bagay fin passé, ou pas chamblié, ou pas chambardonné, damn! Blié jamais, m'en doit chamblié nous de ça, attendez? Mon cher, si m'en pas jouer là, monsieur, m'en a des problèmes, mais mal la kaye, monsieur, deux fois m'en pas jouer, non, men. Non, m'en a checké, monsieur, pour m'en a gré pas chita, m'en problème bas ça y est, men. Soit je dis, monsieur, m'en vient la kaye, pita à 8 heures. Pas un danger. Oh, faut que vous l'arrivez, men. Quête. N'a pas l'après. Ok, bon bagaille. Bonsoir. Bonsoir. Fabi, tu vas bien? Comment est-ce que tu parles, Fabi? Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es toujours excité. T'as un problème? Tu sais, tu es seul dans la vie. Je crois qu'il te faut un homme. Un vrai. Et c'est moi. Toi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es un homme? Tu te prends pour un homme? Tu veux la preuve? Ah, jamais de la vie. Y'a un sous-sous ton cou. Alors là, tu dépasses les bornes, hein? Ça que t'es tout fini dans mes démas alors? Oh oh! T'as besoin d'exé ou m'dabre? Eh ben ok, ma faut payer bouche, t'en dé? Eh bien, ma p'tan nous! Jenny! Ouais? Qu'est-ce que tu as? Rien. Comment ça rien? J'ai rien, je te dis, tu ne comprends pas? J'ai rien! Laisse-moi te dire, Ronnie. Passage qui est écrit dans la Bible qui dit un mari fait pour l'occuper madame. Pourquoi j'aime l'île? Je suis obligé de marier avant d'entrer l'église avant pour prendre soin de moi. Je dois me nourrir, je dois me vêtir. Ça fait une semaine que tu m'as rien donné. Tu comprends ça? Je ne peux même pas me faire une manucure. J'en ai marre à la fin. Non, maman. Il y en a combien là-dedans? Je dois voir le médecin aussi. Ah, mon chéri! Ah, mon chéri! Merci, tu es super! Tu es super! Je t'aime! Oui, madame. Oh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On commande? Garçon, le menu! Oh, dis-moi chérie, comment a été ta journée? Toute belle chef qui n'en fait pas. Qu'est-ce que tu as fait pendant ton boulot? Dis-moi, raconte-moi la journée. Depuis avant, je n'avais pas qu'à vivre pour dire non, même pas, je me fais non, hein, même. Je dis, je me sens bon là. Oh, chérie, vite fais bonne bagaille, non, mon ami. Ah, maman, chérie. Ah, chouchou, vite fais bonne bagaille, non, vite non. Vite fais bonne bagaille, chérie. Mais ouais, là, je charge pour les bambes, je les boum boum, je chèque boum boum, je tout le bagage qui est besoin, chérie. Comment vous me savez? $1, Yvan. Eh, même bon de bonbon. Pas de problème. Pas bon, on suit, tout comme des guillemets. Pas de problème, chérie. Ok. Ok, pas oublier, faut tout le monde acheter encore. Ok. D'accord. On est fort à vie, ça va, là. Eh, monsieur, monsieur, le vinage, t'es non? Ah, bonne coloquette, celle-ci est là, toi. Elle a déposé là-bas. Mais c'était... Bonsoir. Bonsoir. Tu te souviens de moi? Non. T'es toujours aussi belle. Tu veux que je te dépose? Non, non. Taxi! Monsieur, es-tu toujours? Je donne un chien.
Fais un numéro là, Zamba Mandel. Chérie, m'sou. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Mademoiselle Fabi. Tu n'es pas là, s'il vous plaît. C'est de qui? Dis-lui que c'est ton ami. Fabi. Hmm? C'est pour toi. C'est qui? Je ne sais pas moi, on dit à mon sabagène, non. Allô? Allô? C'est mademoiselle Fabiola? Oui, c'est qui? Un ami. Es-tu toujours aussi belle? Quoi? Mais qui êtes-vous? Tu as laissé tomber quelque chose en montant le taxi. Quelque chose? Salut, là. Mon Dieu. Mon carnet. Oui, Fabiola. Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, parlez là, quand vous m'entendez? Allô? Monsieur, avale que t'as flash moi. C'est pas vrai. Besoins amis qui pour femme sourire. C'est ça, ça que là. Et ça me voilà. Ma mère elle m'a salué Marie Figo là non. Kounia so que t'as là. Ah bon, tu me demandes ce que j'ai? Mais tu as du culot toi. Ça me que t'as fait là. En plus on m'a dit qui s'en fait. Ou pas qu'on a qui l'ont entré là hier soir. Ah ça, je sais qui t'es moins plus bonheur non. OK. Oh oh. Bon bon zon bagaille. Si on bagaille rivo, ça me pas le faire, ça m'a dit. Qui m'a laissé ça? Nous toujours mettre qui vient penser dans tête nous. Mais même pas conjuguer bagaille ça moi-même. D'ailleurs, n'est pas tant que ni dans présent, ni dans futur. Bon Dieu, son est capable de gérer la vie moi. Ah mais OK. Ça me donne ça. Ah mais OK, fais blague avec ça. Bon OK, ma foi encore, OK. On connaît ma prélément papa m'a dit. Ma pas très bonne. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Péché me vive. Qu'on y a quand une femme monter de là, oui. Même ta souhaite c'est qu'elle Jenny, OK. Jenny? Ou pour qu'on connaît Jenny? Qui ça? Eh bien, je vais le dire. Ouais, avant elle, tu vas me sortir. Je vais descendre. Je vais me dire que je vais profiter là-bas. Yeah. Je vais entrer dans le restaurant. Ça qu'on aime, ouais. Qui ça? Jenny qui a bon nez sous bouche. Ah bah oui. Oh ça me fait crier pour crier. Bouche, me dit. Oh ça me fait crier pour crier Jeff. Voilà bonne avec la sous bouche. Ça fait. Malé. Walé, ou capon. Met capon. Met capon. Là on a besoin de bon petit monde. Bon petit monde. Il pourra faire me sourire de temps en temps. On va ensemble là. À la fin qu'elle est dans l'église, moi chercher lui. Fabi, comment tu vas? Comment vas-tu? Ça va bien pour toi? Ça va. Colotte, mon yo. Ah? Seulement même gila. Papi, sorti, mamie, à la magasin. Et Julie? Mademoiselle Julie, elle me décide à faire sport. Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En parlant, mm-hmm. Pourquoi elle m'a bien besoin? À quel sujet? Goumba, elle m'a compris. Vous connaissez, moi, Julie, nous allons dans le magasin. Dernièrement, pendant nous dans le magasin. Tout le monde a entré, vient faire achat. Gon petit jeune homme qui est entré. Vous connaissez ça mon problème en pile? Dès dit m'a dou ça pour dire ça penser. Bon. Gon bagay qui a tiré ou. Parce que moi quoi, gon bon monde qui vient dans magasin. Donc c'est pas premier garçon pour. Pour qui ça ou pas jamais penser avec eux? Pour qui ça c'est lui même directement. Moi a tiré ça trop fort. Bon, juste moi m'a pensé avec tout simplement, même pas dit m'a tiré par lui-même. Bon. Si vous êtes capable, venez dire ça. Parce que vous sentez un bagage dans où? Oui, mais je trouve ça impossible. Bon, il n'est pas parce impossible. Parce que vous n'avez pas quatre personnes qui sont entrées dans le magasin, vous comprenez? Mais non, chérie, c'est tout à fait naturel. Tout le monde est attiré par l'autre monde. Donc, c'est la nature qui a fait le travail. Pas de mentir dans ça. Vous n'avez pas lutter contre ça. Depuis qu'il est arrivé, il faut le faire. Sauf que vous avez un pile de vagabondes qui ont profité de la situation.
Je comprends ça, Dimna. Pas un peu, parce que... Où sont-ce que j'ai Johnny? Pas de gagner moi-même à Johnny. Papa m'a éclaté, t'es pris ça pour un paquet de bagages. Mais le plus souvent, c'est pas mal, non, vous voulez pour. Et pas t'as vraiment une série de mauvaises expériences qui a nuit à l'avenir. Pas en yon remè, yon. Yon seulement par contre comment pour adapter yon. Attends ça. Je comprends. Bon, comme toujours là, je ne toujours pas l'avant. Eh bien, ou pas gagner pour là. Ou pas gagner sandwich, bagaille ça yon. Depuis le soir, je ne pas l'avant, pas dire que je suis là. Ou t'es là, ou tout d'un manche, parce que je vais manger dans mon année. Je vais prendre un petit jeune dans. Moi, pour bas, oui, je vais prendre un petit jeune. Salut, cher. Bonsoir. Hey, Jeff est là? Il dort. Merci. Mais il dort, je te dis. Hey, Jesse. Yes. L'œil du mec, ma chère. Oui. Merde. Toute belle chef qui n'en fait pas. Yes. Dans son bipo bronzé. Souci tracé de rosé. Où y'on l'appli cap calé en fait. Lève-toi mon amour. Où y'on soleil cap calé en fait. Chasse. Dis-moi. Toi fais là. Comment qu'est-ce qui t'entrait là? Je ne te comprends pas. Comment? Mbaye doit venir au ménagement encore? Je n'ai plus le droit maintenant. Conditions réunies pour tes écrases. C'est yo qui a mes mots de l'ambiance. Je t'en prie. Chérie, écoute. Chérie, tu sais que je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi, tu sais. Dieu, j'ai envie de toi. Je t'en prie, Dieu, non. Ça y est là. Problème ni rentrer dans ménopause. Par contre ça plus dur. Papi me lui même comme c'est seul l'a suivi mais lui même ni pas en ménopause non lui même. Bah alors on s'entend sonner non. Oh c'est vraiment visible. Julie prend le téléphone. Oh allez oh sister prends téléphone non. D'accord. Allô. Oui allô bonsoir. Puis-je parler à Fabiola s'il vous plaît? Attendez je vous prie. Qui lui ça? Le jeune homme qui t'a appelé la dernière fois. Voilà. Allô? Oui. Elle n'est pas là, monsieur, désolé. Bien, dans ce cas, je rappellerai. Monsieur, écoutez, n'appelez plus, je vous en prie, attendez. Allô? Fabiola? Écoutez, monsieur, je ne vous connais pas. Alors, cessez d'appeler chez moi. À une seule condition. Quoi? Je dis à une seule condition. Et laquelle, je vous prie? Tu viens chez moi, Fabien. Quoi? Mais vous êtes fou! Puisque je ne peux pas venir dans ce cas, c'est en train de le faire. Et pourquoi? J'ai juste envie de te revoir, Fabiola, c'est tout. Non, je ne peux pas. Eh bien, dans ce cas, tu auras toujours l'occasion d'entendre ma voix. Ok, attends, je te donne l'adresse. Ah bon? Oui, Castron, numéro 36. Ça va? À quel sort de parler, il ne faut pas la parler fort. Moi-même? Oh! Papi, ça fait Patrick ou la parler. Patrick? Il fait là où? Il y a un problème, Fabiola. Il n'y a pas menti? Oui, ok, papa. Pas le téléphone, non? Allez, Patrick. Allô? Allô? Où est-ce que vous avez rapproché? Eh, mais papi, il n'y a pas de problème, non? Seulement! Bonsoir. Ça va? Mm-hmm. Viens donc. Tu peux entrer. Viens donc. Tu peux entrer. Viens. Allons-y. Pourquoi tu ne vas pas entrer? Non, je ne veux pas. Pourquoi? Mais... Écoutez, monsieur... Mon père est un homme strict. Et c'est quoi, c'est une brève femme, Vina, s'il vous plaît. Parlez-le là comme encore. Je sais, Fabiola. Et comment? Fais-moi confiance.
Non, je ne veux pas. Et pourquoi? Je dois être à l'heure chez moi, sinon... Je sais tout, Fabiola. Je sais. Comment ça, tu sais? Tes yeux, Fabiola. Tes yeux, ils disent tout. Mes yeux? Fabiola, viens maintenant. Je comprends, Fabiola. Tu peux être cool. T'en fais pas. Parce que c'est comme ça, ok? Vas-y, tu peux t'asseoir. C'est que... Fabiola, allons. Ça va? Ça va. Votre nom, c'est? Jeff. Ah, c'est ma soeur Jessie. Tu te souviens d'elle, j'espère? Jessie, c'est Fabiola. Ah oui? Comment es-tu? Ça va. Ça va? Ah, tu veux boire quelque chose? Ça va, non merci. Eh bien d'accord, disons à tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure, Jeff. Ok, c'est ça. Vous faites quoi dans la vie? Étudiant en sciences comptables. C'est bien. Mm-hmm. Tu as combien de sœurs? Une seule. Ok. T'as pas de frère? Non. Tu disais tout à l'heure que ton père est un homme très strict, alors tu veux bien me parler de lui, non? Non, non, je préfère de ne pas en parler. Et de quoi voudrais-tu qu'on en parle? Comme par exemple, rentrer chez moi. Mais tu n'as que 5 minutes, Fabiola. Oui, je dois... Ça passe, man. En forme, oui, man. Ça fait quoi, ça? Négla. Jeff, je dois entrer. Ah, Jeff, mon cher. Tu pourrais me présenter à ta petite amie, non? Je suis Richie. Et vous? Fabiola Grant. Je suis très heureux. Moi aussi. Jeff. Ouais. Fun way plus tard, man. Mais, maintenant, ouais. Ok? Jeff, au revoir, Fabiola. Au revoir, je dois entrer. Mais, tu veux vraiment partir maintenant? Oui, je ne peux pas rester. Attends, tu es à quelle école? Chez la sœur Myriam. Ok. Ok, bye bye. Tu veux prendre le taxi? Mm-hmm. Je peux te conduire? D'accord. Alors, dis-moi, comment il est? Il est attirant. Il est très beau. Mm-hmm. Alors, quels sont tes sentiments? Ce que je ressens pour lui. Il m'attire, ça je peux te le dire, il m'attire. Mais Cassandre, est-ce que je suis capable de gagner au monde pour mener la caille? Est-ce que papa m'a même déjà avec papa? Bah quoi ça? Eh bien Fabiola, écoute ton cœur, c'est tout ce que j'ai à te dire. Parce que naturellement, ou pas arrêter avec sentiment, comme ça. Pas aventurer aujourd'hui, hein, ou faire un jour quand même. Maman, regarde ma tête. Qu'est-ce qu'on va dire à papa? Calme-toi, ma chérie. Papa, on a un problème dans les cheveux. Docteur a te dit que c'est coupé pour me couper les cheveux. Mais mamie, ou pas t'a fait-il? C'est vrai, m'a t'a fait-il, c'est vrai. Mais papa tellement aimé parler en pile. Bonsoir, tonton Gérard. Ça va bien. Tu vas bien, tonton? Comment va Patrick? Il va bien. Madame n'est pas là? Pourquoi est-ce là? Lucie! Julie! Mais elle est nous, oui? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais tout arranger et laisse-moi faire. En allez, non? Comment vas-tu, Betty? Qu'est-ce que c'est que cette façon? Viens saluer Betty, gentiment. Ça peste. Comment va Fabiola? Sans besoin. Julie. Papi, c'est qu'on n'a pas qu'on j'en fais sa peste. Julie, respecte-toi et va de ta chambre. D'habitude, elle n'est pas comme ça. Peut-être qu'on fait l'on bagaille. Mais au contraire... C'est lui-même qui fait le téléphone dans ce mois avant hier. C'est normal, puisque t'as fouillé. À toi? Ouais. C'est bien moi. Et au cono bagay, m'arrête mes moun qui a fouillé bouchon à faire moun. Qui fait zin, surtout. Eh, Fabiola. Qu'est-ce que ça veut dire au moins? Mais papa, laisse-moi parler au moins. C'est mon droit, non? Ton droit? Ici, c'est ma maison. Et jusqu'à cette minute, tu es sous mon toit. Comprends-toi bien. Sinon. Sinon quoi, Gérard? Sinon, dégage. Ah bon? Je
comprends maintenant. Tu as compris quoi? Réponds. Maman, comme c'est toi qui m'as mise au monde, saurais-tu te tromper? Je veux dire, suis-je vraiment la fille de mon père? Ne dis pas ça, Fabi. Tu es la fille de Gérard. Tu es notre fille. Oh non. J'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. Arrête tes idioties. Tu sais très bien que c'est ta faute si quelque chose s'est cassé entre nous. Tu sais aussi que tu es notre fille. Et que si tu n'avais pas commis cette bêtise, on aurait pu rester une famille unie. Mais tu l'as dit toi-même, papa. Ici, c'est ma maison. Tu es sous mon toit. Comporte-toi bien, sinon dégage. Crois-tu qu'un vrai père dirait pareille chose à sa fille? Mais tu l'as fait toi-même, ma fille. Qui t'a mis à la porte? Qui t'avait mis à la porte? Ta mère? Moi? Non, personne. Seulement, tu voulais ta liberté ou du moins faire ta propre petite expérience en passant 2 jours et 2 nuits seul avec un gamin, un bon à rien, qui ne pensait qu'à une seule chose. Oui, une seule chose. Alors qu'à l'époque, notre fille n'avait que 15 ans. 15 ans seulement dans les bras d'un petit voyou. Et ta mère et moi, tu avais pensé à nous, non? On a eu 2 jours de cauchemar, c'est normal, puisque personne ne savait où tu étais. Bonsoir, je vais venir dans ma gaille, ça encore. Bah, il est déjà passé, déjà. Du passé? Mais Lucie, ne sais-tu pas ce que c'est qu'une cicatrice? Un cauchemar? Oui, son cauchemar. Lucie passait 2 jours après relé, croyant que sa fille était morte ou kidnappée. Alors que bien au contraire, elle était là, en train de se donner un petit voyou. Mais papa, m'était que t'en douce ça déjà, pas gagné que t'es passé entre nous, pas de gagné. Ah ah, d'après toi, qui va avaler ça? Sauf un bébé. Écoute-moi bien très cher, ou qu'on nous bagaye, m'pas bien les gens, même j'avoue. Ou à quoi t'aimes les vini? Moi, j'ai contrôle tête moi-même. Si m'dou, pas gagné que t'es passé entre John et Avem, c'est que pas gagné que t'es passé. Mais après? Là, ce serait mon affaire. Quoi? Ton affaire? Ça va! Hey! Oh, Gérard! Et puis, sortez-vous maintenant. On a les petites. Tonton Gérard, galère plutôt malé, quitte malé. Ok, bye bye. Ok. À la toi, papa. Ok Jeff, nous finissons par parler ou mais moi après quelque bagarre pour moi. Tout bas, ok Jeff. Tigo. Ok, j'ai tout. Ok. Yes. Allô? Oui, allô, bonsoir. Puis-je parler à Mlle Fabiola? Attendez. Fabi, c'est pour toi. Ah, ça peut être Cassandre. C'est plutôt un jeune homme. Un jeune homme pour moi? Il s'est peut-être trompé de numéro. Prends le téléphone, jeune fille. Pas perdu de temps dans le téléphone, non, parce qu'on qui est-ce qui va pas. Allô? Allô, Fabiola? Oui. C'est moi, Jeff. Jeff? M'kwem du pari le la kaïman encore. Bon, si c'est papa m'gide pour un téléphone là, c'est maman m'gide pour un téléphone là. Vraiment? Je suis désolé, mais qui l'a kawé ou? Écoute, Jeff, n'appelle plus chez moi et on ne doit plus se voir, ok? Mais franchement, Fabiola, pour qui ça? Jeff, dernière fois m'devina kawé, m'te dit que papa m'son moun ki dur. C'est pour ça m'devina kawé ou? S'il te plaît, pas aller la caille encore. Parce que je commence à être trop ennuyé, ok? Pardonne-moi. Bon, allez. Je voulais pas t'ennuyer, ok, Fabiola? Ok, bon, allez. Fabiola, je t'aime, tu sais. Tu m'aimes? Au revoir, Jeff. Il m'aime. Allô? Allô? Richie, comment vas-tu? Oh, Jenny, comment vas-tu? Ça va, mais Richie, a pas pratiqué marronnage net? Ah, ma chère, c'est pas vrai. Alors qu'on est, n'est pas gain temps. Ouais, qui m'a couru là même? Puis, God, dis-moi, j'ai problème à Jeff encore, non?
Petite, comme si vous te connais. Tête moins chaud là. Tête ou chaud? Pour qui ça là même, Jenny? Jeff gon l'autre fille. Bon, quand je n'ai pas eu ce qu'on dit là. Ah, me connais? Est-ce que c'est vrai, Richie? Bon, quoi dit, me connais? Je ne sais pas quoi me pour me dire. Bon, normalement, je suspecte. Même pas qu'on gagne preuve. On sait le bain qu'a dit ou? Cherchez qu'on est. Richie, aide-moi. Ou pas perdu ça, non? Je ne comprends pas. Tu veux dire là? Tu n'es pas un homme, Richie. Bon, on croirait, mais Jeff. Et alors? Et alors, tu me fais des avances? Richie, aide-moi. Je veux savoir. Qui sauve les connaît, Jenny? Tout, absolument tout, ce qui concerne cette garce qui essaie de m'enlever l'amour de ma vie. L'amour de ta vie? Ok, Jenny. Puisque vous voulez qu'on ait, m'bral bon yon ti aperçu. Mais surtout pas un mois, Jeff, ok? Vous t'en Ne t'en fais pas, ce sera bouche cousue. M'a passé la caillou, disons, vers les 7 heures. Ok, je t'attends. Eh bien, ok, bye bye. Allons, Jenny, ça. C'est qui est-ce? Ah, là, c'est ma mère, mon père. Et là, c'est la cousine de ma mère. Tu as une grande famille, Jeff. Mm-hmm. Tes parents, ils n'ont que deux enfants. Ah, exactement, oui. Ils ont des petits trésors. Comment ils sont, tes parents? Mes parents, ils sont cool, compréhensifs et surtout très affectueux. Je suis contente pour toi, tu sais. Merci. J'aimerais tellement parler de mes parents ici. Mais c'est dommage. J'ai un père qui ne me croit pas. Et une mère qui subit la même hiérarchie que moi. Je les aime vraiment, tu sais. Je les aime vraiment. Je t'aime, tu sais. C'est vrai. Je crois qu'on n'est pas au bon endroit. Non, Jeff. Mais qu'est-ce qu'il y a, Fabiola? Dis-moi tout. Tu m'attires beaucoup, mais je veux attendre. Qu'est-ce que tu veux attendre? Je veux attendre pour avoir une vraie relation. Qu'entends-tu par vraie relation, Fabiola? Le sexe? Les caresses? Avant de te rencontrer, je voyais les choses ainsi. Cela veut dire que tu saurais attendre? Bien sûr, Fabiola. L'important pour moi, c'est toi. Ta présence, ton regard. Il n'y a qu'une chose, je le promets, moi. De me donner souvent des petites visites. Ça va demander pour mentir la caméra et pour me mentir la caméra. Ouais, je sais, c'est vrai. Mais, des petites visites, simplement. Bon, je vais faire de mon mieux. Je t'aime. Humaniste, ou enfin, justifier bonnement ce que c'est que l'humanisme. Mademoiselle Gaulle, avec nous? Oui, madame. Et pourquoi on parle? Vous parlez de quoi, madame? Je ne sais pas. C'est que je ne me sens pas très bien. Allez, dans ce cas, nous suivons. C'est mon âme. Thank you.
Lucie. Ou pas constater, hein? À quel sujet? Tu n'as rien remarqué d'anormal cet an dernier? Pas vraiment. Alors, si je bien comprends, c'est moi seulement que je vois. Bonjour, je me suis ça, madame, ça est devenu. Je ne comprends pas. Vous devez comprendre, Lucie. Ces deux petites filles. Et vous comprenez très bien comment elles sont. Fabiola, tu vas voir. Oui, papi. Qui aurait travaillé à l'école là? Bagan aurait fixe, non? Alors, si nous avons, vous travaillez chaque jour, mais sur ça. Alors, vous rêvez pas. Nous pas manquer à l'école. Papi, c'est examen, vous pouvez arriver. Ah, examen, n'oubliez. Merci. Examen. Je vais continuer à continuer à supporter toujours. Non? Comme c'est au moment, fais devoir. Moi, fais devoir, M'Gérard. Même. Pourtant, je vais me faire devoir. C'est pourtant que je suis excité, même j'avais. C'est le genre de bagage sale qui fait si vous faites mauvaise expérience. Là, oui? Ça, c'est blague. Toutes ces beaux si vous avez fait pour gagner une match à suivre. Mais Gérard, si vous avez l'âge pour le remettre, Fabiola a 18 ans. Oh oh. Je suis maquillée maintenant. J'ai entendu qu'on ne parle pas même de la maquillée. Il y a du nouveau, hein? Sorry. Ah, Fabi. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Ça, je l'ai dit là. Je ne sais pas qui sort de la même chose. Je m'appelle d'où? Ouais, si papa m'entend, la pensée est bon, elle est donnée. Ah, ma chère. Ne fais pas l'enfant. Je suis ta soeur, non? Qu'est-ce que tu vas dire là? Laisse-moi voir. Tu peux deviner, hein? Il est grand, beau, musclé, hein? Dis-moi donc. Pas les pères, mais pas sur la zone. Fabi! Et puis, quitte-moi tranquille, ok? Je nomme magasin, hein, sister. Eh bien, mets-toi dehors, non? Allez, Romeo allez. Et Juliette. Allez! Oh, maman. Fabi, tu non. Sors? Oh, pourquoi tous ces changements? Tes cheveux, maquillage, tout ça. Juste, je fais une belle mouette dans la chambre. Où sûr? Pourquoi tu as même un enfant qui parle à deux? De quoi, maman? De tout et de rien. Parce que c'est maman, ou capable de dire maman toute bagaille. Je sais. Quand je voulais plus rester sur l'étude, moi. Parce que quand j'ai perdu une année déjà, je ne sais pas ça alors. Je voulais juste rattraper le temps. Ou sûr? Qu'as-tu, princesse? Je ne sais pas. J'ai comme un pressentiment. Comme quoi? Je ne sais rien. Tu penses aux réactions de ton père? Si toutefois, il serait au courant pour nous deux? Comment il le saurait? Fabi, le monde est petit. Il cesse de se tracasser, ok? Nous sommes ensemble, c'est ça le plus important. Pour combien de temps? Pourquoi tu dis ça? Tu veux me quitter? Tu ne connais pas mon père, hélas. Promets-moi, quoi qu'il arrive, qu'on s'aimera toujours. Que tu seras toujours là pour moi. Même quand il y aura une séparation. Pourquoi est-ce qu'on se séparerait? Pourquoi? Je sais pas. Tu as peur de ton père à ce point? C'est pas moi, Jeff.
Fabiola, reviens. Quelle heure est-il maintenant? Je travaille avec les autres. Comment ça? On travaille les maths. Vous n'avez jamais fait team de manière comme ça? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Ou pas te connaître, c'est ça me t'attend nous dire. Seulement, respect. Oh, Gérard, sois sorti. Julie, Fabi. Julie. Oh mon Dieu, Gérard, sois guéri. Sois sorti. Oh mon Dieu, Gérard, pas fait ça. Allô, bonsoir. Pat, c'est Fabi. Oh, Fabi, comment est-ce? Mais qui m'a couru les ça? Il n'y a rien, j'espère. Non. Tout va bien. Comment va ton Gérard? Il va pas l'empile semaine ça? Ah, maladie après hier. Oh oh. Sûrement, il n'a pas l'empile. Où qu'on est? Tout le monde est un peu. Surtout, c'est avec ni t'as parlé. Bon, jusqu'il est pas fini. Bon Dieu, qu'on est. Petite cousine ou entrave. M'pa konn sa pou m'fè. Ah ouais? Ou konn se ou konseye? Sa gen menm. A propos de Jeff, nèg la bon problèm. Il me rend folle. Ki es Jeff? Ti nèg n'ta pa lolan. Oh, tu l'as revu? Eh bien, pat. Dim non, sa pou m'fè. Ou son jeune fille? Faut que ça t'arrive un jour l'autre. Aussi simple que ça? Mais non, Fabi, m'pa dit ça. D'ailleurs, ou konn onk Gérard? Maintenant, tu dois apprendre à gérer la situation. Même Rémel. Attends, Fabiola, attends. Mon nom fait mes téléphones, non, mon a parlé. Allô? Fabi, n'a pas demain, ok? Je t'en comprends, ok, bye bye. Comment? Pourquoi tu veux me quitter vous-même? Je ne pas comprends, non. Expliquez-vous. Ou toi, il normal pour obtenir tout ça, mon a dit un téléphone, hein? Mais ma chère. Tu deviens insupportable. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et pour vous? Ça va bien. Ne te terrasse pas. Bye. Bonsoir, tonton Gérard. Tu vas bien, tonton? Comment va Patrick? Mais si là, oui. Mais avant, il y a un ex qui a sorti pour battre mon encaille là. Je ne peux pas comprendre. Pour un monde plus grand, pour une propre petite famille, ou à battre mauvais conseil. Les choses sont tellement dures de nos jours. Une jeune fille doit se surveiller. Parce que jeune garçon aussi menti à marcher par dehors. D'ailleurs, ils n'ont rien à perdre. Dans tout ça, où je n'ai pas un capé à l'école pour une jeune fille, c'est pour... Et puis... Betty, tu es porteuse de quelle mauvaise nouvelle? Écoute, fais pas avoir un examen, Anissa. Hein? Bon, mais, où est-ce que tu déjà Betty, non? Comme les parents d'accord avec moi. Dis l'étudier, encourager le travail. Mais, chaque jour, elle travaille avec l'autre élève de l'école, là? Hein? Vraiment? Je vois. Donc, Gérard, je dois m'en aller. Je ne peux pas rester trop longtemps. Mais je vois qu'il y a encore du pain sur la planche. Bye bye, Oncle Gérard. Allons travailler ça, papa. Woodig? Oui, Monsieur Gott. Monsieur Gott, j'ai un boulot à te confier. Ok? Moi? Attendez, mesdames, nous ne pouvons pas commencer avec Fabiola, Fabiola Grotte, aussi claire.
Merci beaucoup, bon passé. Tu es Fabiola Grant? Oui. Ou pas t'en parler de moi? Moi, c'est Jeff. Ah bon? Et je suis la fiancée de Jeff. Oh. Excusez-moi. Bon, je dis parole. Qui en fait nous aimons prendre ménage moun comme ça? Ou pas chercher pas où? Ah. Hein? Ah, gardez. Ou pas parler avant ma parler. Écoute, Jeff ne veut pas de toi. Il s'amuse avec toi. Il prend son plaisir. Vous comprenez-moi? Écoute, je te jure. Souvent, il faut quitter Jeff tranquille. Tout écrasé, moi, maman, et deux femmes. C'est l'école. Mon sac, on a un homme. 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 Jeff, tu es ton qui t'aime. 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 Ou pas monter. On va me monter même. On va monter. Mais ça, mon père. Moi, je dis ça. Ouais, Jeff, moi, non. Pourquoi je ne suis pas folle, non, la guerre. Non. Jeff, non, la guerre, moi, nous, même, non, la guerre. Qui dit ça? Pourquoi je ne suis pas folle? Jeff, je ne suis pas folle. C'est pour ça que je ne suis pas folle. Où est-ce que tu es, Jeff? Fabien. Venez la caille, mon Jeff. On calme la caille, mon Jeff. Mettez-moi plus près la caille, vous comprenez ça, mon Jeff. Je suis bien, mais je vais passer. Lucie, n'oublie pas que nous devons sortir cet après-midi. Je crois que... Non. Prenons son monde qui est long. Je l'y viens déjà. Dis-lui de se préparer. Toi aussi d'ailleurs. Eh bien, à tout à l'heure. Mon petit document pour vous, là. Mon cher, faut-il sortir après-midi, hein? Ou à sortir à mesdames, avec Lucie, avec Julie. Oh, ou à sortir à Pigan. Mon cher... De vos jeunes filles, quand même, la petite fille chérie avec elle. Julie, a un suspect qui t'a voulu ouvrir elle, m'a pris même avec elle. Jeune fille, comment c'est pas problème de vous avoir eu? Ça qui est dur, c'est que, on a fait tout son capable pour protéger les gens, pour les jeunes garçons pas courir avec elle, c'est pas ça, ouais. Pendant qu'elle a là avec lui, il a tout à fait. Ou même, on a occupé, bah, manger toute bagaille. Monsieur Grant, je ne sais pas qu'on a dit que c'est oh, ça qui est dur. Nous sommes avec vous. L'aime là, je suis côté au terri. Seulement, je suis toujours dit, je suis un jeune fille qui a pourtant qu'un accouché avec moi. Ou alors, je vais arriver. Bon, bye, moi. Oh, oh. Ah, monsieur Grant, vous avez une bille du papa. Ou après, dit du pour occuper un petit monde, pour chercher l'autre petit bon occupé. Bon, faut pas dire que son équipe qui fouille à votre nom. Fabiola qui a 19 ans. Mon cher jeune fille a fait 18 ans. Oh oh, oh oh, 18 ans. Femme papa, ma goa a mûr. Quoi? Non, nous tous nous avons bien grandi. Mon cher jeune fille, ça m'a connu ça m'a avec elle, non? Bah quoi, il faut faire coller encore. Après ça, t'es fini de passer. J'ai l'impression qu'elle a peur de vous. Comment faire comme ça? Non, et. Ou quoi, je n'ai pas eu là et puis. Semaine dernière, l'homme dans la caillou, moi tout bagay plutôt calme. Tout bagay en forme, donc, pas qu'il y ait problème. S'il te fait respect, il est d'abord pour lui. Parce que franchement, pas qu'à supporter encore. D'ailleurs, pas faire confiance du tout. Ah bon? On comprend. En tout cas, bon. On va quitter la boulangerie aujourd'hui, on va sortir pita. Bon, dans le pareil de 4h30. 4h, et bien voilà, dit à 7h, qu'est-ce qu'il y a de la carrière déjà? Bon, disons 6h. 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 Mm-hmm. Bon, comme je suis sorti. Bon, on va aller vraiment, hein? Si tu es sûr, on va aller régler, mais allez. Eh bien, il y a un problème. Ok. Alors, amusez-vous bien. Mademoiselle Fabiola! Mademoiselle Fabiola! Yes. One more time. Mademoiselle Fabiola! Sous track, allez, oui. Eh bien, ok, à demain à ta grâce. Merci, oui. Ok. Toute belle chef qui n'en vit là. Yes. Dans son bipo bronzé. Sous citras et jaune rosé. Couillon la pli cap calé en fétol. Couillon soleil cap pini en glacis. Qui est là? C'est un couleur ma punition l'école. Maman, à ta grâce. D'une super sagelle pour les punta. Toutes conditions réunies pour tes écrésies. C'est yo qui a des mots l'ambisi. Ah! Ça fait là! Oh oh, quand faudrait la mando? Hein?
Maman. Sans besoin là. Ou bien chic, papa. Papa. Maman. Pas un monde là. Tout le monde dehors. Comment faut-il la demander? Qui doit? Qui doit entrer? Bon, ils arrivent à moi. Toujours là. Julie. Vous avez des bagages, pas vrai? Hmm? Oh. Et mais je tiens mal mon tout ça. Plus quand même. Ah! On te tient. Trouvez bien. Trouvez bien. Montre une pièce. Ça me pèse, je vous dis. Ah! Chirado. Ah! Oh, rébelle, t'es. Ah! Oh! En tout cas, pourquoi tout le monde est là? On va le cacher. Quoi il fait là? On m'a dit pas pour ça pourquoi. D'ailleurs, m'a dit c'est où tu es de vous. D'ailleurs, pourquoi tout? Pas que monde qui a fait confiance. Moi, je crie. C'est Rodrigue. Qui Rodrigue? Ça le faut. Il a essayé de me violer. Qui ça? Violer? Merde. Ok, ma fini. Ok, ma fini. Non, non. Oh, ma fini parce que papa m'a suspect. Comment? Vous ne dites pas pour ça? Non. Rodrigue, tu sais, dit ça, la petite. C'est moi qui te parle de vous. Papa m'a fait confiance. Ok, chérie. Calme-toi. Ok? Dis-toi bien que ton cousin t'aime beaucoup. Ok? Oui, mon tout. Bonne soirée. Monsieur, j'ai essayé de l'adopter. Essaye encore. Ils sont quand même sur la planète. Mais monsieur, écoute, jeune fille, tu ne sais pas combien de chômeurs il y a dans ce pays? Non, je ne sais pas. 4 millions? 5? 6 millions? D'accord. Madame. Monsieur, un bel costume, maman. T'as appelé mes costumes français, italien. Monsieur, il y a un passé là, Kayo. Il y a un passé où? Hier? Hier. Et au bas de là, mais Fabiola, t'es là. Je battrai mes gens, t'es au chevaux, Kayo. T'es bizarre. C'est mon monde qui t'a pris tant de monde. Que moi-même présence m'était dérangé. Et en tout cas, pas très bien. J'ai le recevoir, non, surtout. Bon, c'est pas fini, toi, fais pas, non. Et on est, ça, moi, il faut me parler quand même. Ça, je me connais. Comme si me dit papi m'ni pour mon entrer la caillou pour le fond bagaille comme ça et pour dire pas dit papa ça non faut que dit ça Fabiola c'est pas pour la comprendre nous pas dit ça non faut que dit ça lui quand rentrer la caillou et pas pour faire confiance hein ma chère c'est vrai bon pile. Mais pour qui ça c'est où ça privé? Hein? Faut qu'on dise pas pour ça, Fabiola, pas de chouette là-dedans. Si on ne dit pas pour ça, papa ne dit rien. Et là, ça l'a toujours dans la pour le faire ça. Te voilà, ma petite. Quand elle est là? Ah bon, ça va être ta fête aujourd'hui. Tiens, tiens, qu'on y a la prétendue là.
Bon, monsieur. Bah, ça va m'expliquer. Dans cette école, il faut de tant de garçons. Faut me dire papa, pour me la faire quand même. Kim, bon la même Jean. Et ça papa. Je dis maintenant moi pour soi dire. Oui Jordan. Oui Jordan. Tête chargée. Ça passe au là men. Ah non men. Puis go dit qu'on gagne pour le Mac Fabio là men. Ça fait Fabio là intéressé comme ça. Et papa non moi ça veut dire qu'on y a là pas commande pour madame. À parler de ça, ou pas j'aime Jenny. Jenny. Maman moi non. Ou envie elle voler. Ou son gel. Moi même, son j'ai Jenny. Oufou. Oufou. Et ça m'a y avec nous et nous-mêmes. Quand y a là, quand je notre fille là, ou t'es qu'elle pas besoin de Jenny encore. Mon cher. Jenny l'autre. Oui. Ou qu'on aime que pour les femmes men. La seule chose, c'est que Jenny et Fabiola est deux mondes différents. On n'a pas besoin de vivre. Fouer qu'on bat Jenny. Ça veut dire si bien comprendre là. C'est confiance que t'as fait fils ça comme ça. Ouais moi même partner. Préfère pour un film qu'on est dans vie déjà, amen. On est mal lagué comment bonsoir disant dit un petit monde et puis après on est capable mak problème. Et pour Marlene, ça faut pas pour Jenny. Moi même dernièrement m'était ouais lui. L'aime dans l'autre bord. Qui bord? La Kailia. M'quoi fait que ça dit mon pas j'aime moi Jenny. Non. Jenny à l'école Fabiola. Allons mes détifia. M'a demandé qui j'ai Jenny faire qu'on est. Pour l'aller jusqu'en bas, jusqu'à ce que la mère de Fabiola. Et pas si ap gade m. Ou vle dit c'est moi qui fait tout bas ça yo? Non mon cher, non. En tout cas papa, bah men ek suspect men kon sa tande men. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est positif. Positif? Ça positif là? Bon, c'est à propos de votre fille, le jeune homme. Mais, quel jeune homme? Quel jeune homme? Le jeune homme. Ah, je vois. Ok, je vois. Ok, merci. Oh, tu as un problème, chérie? Salope! Oh, papa, papa! Papa, we'll be right back.
je t'aime d'accord. Je t'aime beaucoup. Chérie. N'oublie jamais que je t'aime, papa. Laisse-moi te dire, chérie. Chose, ma chérie, avant de partir. Oh, tu pars déjà? Oui, maman. Tu ne prends rien? Non, non, ça va, merci. Fabi? Mmh? Tu as quoi à 7 heures? Mmh. Tout va s'arranger, ma chérie. Ok? Tu verras. Tout s'est déjà arrangé, mamie. J'ai... Oh mon Fabi, elle a fait combien dans sa cour pour prendre le frigidaire? J'ai pas fait, mamie. Bye. Sois prudente, ma chérie. Au revoir. Bonne journée, chérie. Toi aussi, mamie. Ti pémé. Ti chéri, ça gagne. Ou gè la ke problème? Vin non chéri, vin fò chita kote m nan. Oh! Mon ti jan som chéri, ou pou kòprann depi matin? Dim nan ki sa pran, wap pran. Ma fèl pou. OK, d'accord. Dim nan gòn lò gòn problème chéri, m pa renmen. Jan mwa ou anti jan som nan pare men vizaj ou, se pa konstan mte kon wou. En sa gen che ou gon problem? Ou met pa lavem sou gon problem ou met dim ma pe do? Ou pa gen problem sa, chéri? Dim non, esko gon problem ou gon problem? Pa lavem, chéri. Sa gen mon amou. Oh, ap kriye, chéri. Pa lavem, chouchou, pa bezen kriye. Ou met dim sa gen. Bon, moi, les Fabiola. Allô? Allô, bonsoir. On peut parler à Fabiola, s'il te plaît. Qui demande pour elle? Cassandre. Cassandre? L'amie de Fabiola? Oui, oui. Justement, nous t'avons besoin. C'est parce qu'il n'y a pas de numéro qui fait une barre. C'est Julie? Oui. Fabiola me parle souvent de toi. Ça gagne, pourquoi ça t'a parlé les mains? C'est que Fabiola à l'école matin, voilà que jusqu'à présent elle peut rentrer. Mais non, Fabiola pas à l'école matin. Qui ça? M'pas toi elle, au contraire, c'est peut-être ça me relève pour me connait qui ça le gagne. OK, d'accord Cassandre. Et je dois raccrocher. On va parler ça avec mon maman, OK? OK, comme on dit mon gagne numéro, ou gagne call ID? OK. L'heure vini, relève. OK, pour me connait qui ça le gagne. D'accord, bye bye. Je ne viens pas qu'on vini. Ça qui passe. Ah, elle va à l'école. Kounia, quand elle passe, Junel. Date qui l'est lié. Mon Dieu, quand petite moi. Si m'te connais, m'a quitté à l'école, non? Mami l'a fini, oui. Pourquoi Fabi a pris deux heures que ça? L'heure ça, elle est beaucoup rentrée toujours. Moi, elle est tout de côté, elle n'est pas là. Non, pays qui toujours tête en bas. Ça peut être nous là. Il y a 15 ans de fait de l'humain. Qu'on a battu. Et puis, il y a une fille. Gardez, Gérard, pas dire que petite fille comme moi. Ou t'es plus bon, c'est ça? D'ailleurs, c'est mon père responsable, ça.
qui cause malheur il fait petite nous oui. Si son petit garçon te gagne on tape dit même bagaille. De toute façon, si on cause ou malheur il fait petite moi, ça pas bon pour moi avant non. Seigneur, besoin présence ou maman ça. Seigneur, besoin présence ou maman ça. Seigneur, besoin présence ou. Mami, gardez. Je numéro jeune homme là. Qui jeune homme? De qui soit parlé là, Julie? Le petit ami de Fabiola. Fabiola, tu es en remède sous moi là? Eh bien, petite fille, pas petite pour mon fait. Ah, mamie. Mamie, c'est réel. Là. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. M'en parle à Jeff, s'il vous plaît. C'est moi. Jeff? C'est la petite soeur de Fa. Passez mon téléphone, non. En tout cas, monsieur, je ne sais pas qui est-ce que je parle. Quoi t'es petit, moi? Fabiola? Ça va bien. C'est où vous m'avez posé question, ça? Maman, tu parles trop fort. Mais madame, je sais rien. D'ailleurs, je souffre comme vous. Je souffre tant comme? Comment il y a une petite soeur passée là? Mais de qui doit? Je souffre tant comme? En tout cas, monsieur, je dis ça sincèrement. Petit, moi, c'est où pour faire me jeûner? Parce qu'on complice dans la disparition. Si ma jeûner, ma faire et tout. Jeff, Sorgen. Fabiola disparaît. Qui ça? J'entendais. Oh, Jeff. Tiens. Tiens. Bonjour, Gérard. Ça va? Bonsoir, Oncle Gérard. Betty? Oncle Gérard, ça qui passe? J'ai réuni de me faire l'avant hier soir, non? Ça gagne. Et vous même soyez venu chercher là? Après tout ça fin passé, quel courage mettre pio là? C'est fort si tout bagage ça arrivé jusque là. Mets-toi dehors. Va-t'en, je te dis. Va-t'en! Dehors! Gérard? Gérard? Oh mon Dieu, qui a cru lui? Qui a cru lui? Oh mon Dieu! Gérard? Gérard, il y a l'ambulance pour m'épater, car il y a l'ambulance! Bien, ça va. Laisse-toi se reposer maintenant. Dis-moi, docteur, comment va-t-il? Calmez-vous, je crois que ça va aller. Docteur, est-ce qu'il va s'en sortir? Ne t'en fais pas, Julie, il va s'en sortir. Son état n'est pas trop grave. Il est en état de choc, mais c'est passager. Je vais vous faire une prescription. Vous allez l'exécuter. C'est urgent. OK? Ah, oh, merci, docteur. Je vous en prie. Vous pouvez aller le voir, mais quittez le fond y reposer. En allez, Julie. Patrick? Allô? Allô, bonsoir. Madame Grant est là? Non, madame n'est pas là, non. Il est à l'hôpital. L'hôpital? Ça a rien. Monsieur est malade. Marie là. Ça passe il? Bon, on connaît là, mon petit fils a un problème. Il a fait le palais, fait mauvais sang. Tout ça n'est pas bon. Merci. C'est pas ça qui est intéressant. Dans quel hôpital il est? Mabdou, oui. Dans l'hôpital Jacotin. Ok. Thank you.
salut. C'est la petite soeur de Fabiola, hein? Bien sûr, mais vous êtes Jeff? Oui, c'est moi. Disons, vous êtes venu voir papa? Oui, il est là. Bien sûr. Venez donc. D'accord. Maman, je te présente Jeff. Il est venu voir papa. Bonsoir, madame. Je suis Jeff. Monsieur, sans besoin là. Madame, bah qu'on a un. Qui ça? Mais où est ma fille? Mais madame, m'a souffri de absence li. Ou a souffri de qui ça, monsieur? Ou a souffri de qui ça? Tante Lucie, calme-toi, ok? Calme-toi, Tante Lucie, calme-toi. Bon, comment c'est bouquet avec bagaille ça? Fais le sortir pour moi, fais le sortir. Ok, Tante Lucie. Je fais allons. Mais qui tout bagaille ça en mieux là? Allons. Oh oh! Si je ne suis pas venu. Je vais excuser ma tante Lucie. Où qu'on est? Il n'y a pas de Fabiola et puis tonton Gérard vient tomber malade. Tête n'y a pas là. Vous comprenez? C'est pas comprendre, pas comprendre. Mais imaginez, il n'y a pas même pensé si je souffre même Jean Avel, non? Ouais. Ou imaginez, dernière fois que je parle à Fabiola, c'est 2h du mat. Je suis trop heureux de penser. Qu'on est là? On met maintenant ensemble pour une Fabiola, t'es papa. Ok? Quand c'est vagabond? Vagabond, tant Lucie. Jeff pas un vagabond. C'est un petit bien. Il n'aime pas que la vie du mal à Fabiola. Comment le sais-tu? Fait que tu te parles avec elle là. Il diminue même. Je le pense aussi. Et quand ça tue toi? Et pas si mounouye? Oui, maman. Oui. Ou pense que Gérard a pas accepté avec plus cheveux que dans la tête là? Depuis le matin, ça connaît en venir. Ça qui passe? Oui, même. Moi, ça me fait quoi? Je passe une station radio, je passe. Mais là. Mais Dieu, ça pour me conseiller pour faire. Prier pour continuer à prier. Et puis, renforcer, rechercher. Et puis, on va pas vous tirer en bagaille. C'est pas pour décourager, non? Je vais regarder. Monter. Ça m'a fait là. Mais oui, Jenny. Et si j'appelle Jenny? Je suis en pression, pas je me connais. Parce qu'une femme jalouse est capable de tout. Oh, Jeff. Bon, regarde ça pour le faire. Allô, Jeff? Allô, Jenny? C'est pas Jeff, c'est Jessie. Ah, Jessie. Ça rien, hein? Jeff, gon problème? Ah bon? C'est ça t'as aimé? Alors, c'est quoi? Au fait, oui, Jeff, gon problème. Parce que Fabiola disparaît, ça gagne pas 2 jours de cela. Et nous pas contre côté lié. Pour moi-même, ça son problème. La petite protégée Fabiola. Elle n'est pas morte, j'espère. Jenny. Jessie. Écoute-moi bien. Si tu as quoi que ce soit à avoir avec la disparition de Fabiola, je te jure que je te rendrai. Quoi? Je ne te comprends pas. Tu oses m'appeler pour m'accuser d'une chose pareille? Tu penses que je pourrais être impliquée dans une affaire? C'est ça?
Oui, c'est ça. Fabio n'a pas entré la Cali depuis 2 jours. Et me garantit qu'on a fait tout ça que nous possible pour nous joindre. Et en plus, je sais que tu es très jalouse. Et par-dessus tout. Très, très agressive. Après, ça, ça te fait dans l'école. Mon yo là. Moi-même, moi garantis ou et me dit tout que me peur. Jalouse? Oui, je le suis. Tout simplement parce que j'étais amoureuse de ton frère. Mais je ne suis pas folle, tu comprends? Je ne suis pas folle. Et tout cela, c'est pour te dire que je n'ai vraiment rien à voir. Tu me comprends bien? Et au compte qui s'avise ta rendre, pas j'aimerais aller dans le téléphone, ça t'a dit. Sinon, tu vas avoir affaire à moi. Jessie, je te jure. Mais je me trompe ou c'est toi qui me fais des menaces, Jenny? Rejonvelle. Elle me tape sur le système, cette pétasse. Quand même. Bonjour madame. Madame, je suis... Non, on pas besoin de dire rien. Patrick m'a tout expliqué. Problème nous commence moins. Gérard commence à rétablir. Quant à Fabiola, on pas eu aucune nouvelle? Non, jusqu'à présent. M'imaginer tout côté le t'es qu'à aller. Bah je n'ai rien. Mais nous même nous pas jouer rien tout? Non. Ça n'a fait qu'une. De toutes les façons, on doit la retrouver. C'est un impératif. Monsieur Grand, vous allez bien? Ça va, Julie? Ça va. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Cassandre, l'amie de Fabiola. Bonsoir. Tenez, c'est pour vous. On n'a pas toujours des nouvelles de Fabiola? Pas du tout. Oh. Mais c'est Fabi. C'est Fabiola? Moi, hein? Fabiola? Fabi? Mon Dieu. Fabi? Oh, merci Jésus. Oh, mon Dieu. Oh, papa. Je suis désolée. Tout ça, c'est fort, moi. C'est la calamrelle et puis attaque à Dimou l'hôpital. Moi, regrette un pile, papa. Mais c'est la calamrelle. La calamrelle? Oui, et pendant tout le temps, nous patrouillons là et moi, vivre ensemble avec lui, t'as côté de ti, c'est un petit tête, il me fait tout ce qu'il a fait, nous pas jamais de problème. Maintenant, mon chéri. Chéri, tu sais que nous devons remercier Dieu de nous avoir amené notre fille. Où sont les filles? Il y a la pharmacie, elle a acheté des médicaments. Chéri, au compte ça me pense, je crois après le dernier incident, ça nous doit plus proche de nous. Parce que nous ne pouvons pas faire choix pour nous. D'ailleurs, Fabiola est assez grande, nous ne pouvons pas décider pour lui. Prenons l'exemple de ce jeune homme. Si Fabiola Remel, nous pas qu'à faire le contraire. D'ailleurs, mes traditionnel ne pas de mise encore. Je crois que Kounia nous supposait prendre notre direction pour épanouir ma famille.
Ça va pas? Ça va, ça va. Fabula? Oui, pa. Kounyo, il y a 18 ans, n'est-ce pas? Oui, papi. Je crois que dans la SA, où doit qu'on soit vieux? Oui, papi. Venons à vous faire. C'est à propos de ce jeune homme. Où sont ses parents? Ils sont à l'étranger. Mais avec qui vit-il alors? Avec sa sœur. Tiens, tiens, sa sœur. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Quelles sont ses activités? Il étudie les sciences comptables. Tu le trouves bien? En quelque sorte, oui. Tu comptes toujours le rencontrer? Le revoir, n'est-ce pas? Comment est papi? Ou t'es parlé bien avec elle dans l'hôpital? Je ne connais pas, sauf Léa, c'est lui qui m'a fait. Parce que je n'ai pas causé des gens d'histoire ça, ou la famille. Je voudrais le voir. Invite-les à dîner ce dimanche. Ici, hein? Qui compte ta mère encore? Ok, pa. Second, c'est comme ça. Mets-moi le téléphone de mamie. Papi me dit qu'on ça m'invite Jeff manger là. Ah, mais bonne nouvelle! Ok! Ah non, Fabi, ça. Comment vas-tu, mon chéri? Ça va, ça va. Ça va? Oh, M. Grant, bureau la belle, oui, là, papa. Vous m'avez fait appeler? Un chèque à M. Grant. Où est-ce que M. Régis, là, M. Grant? Un chèque pour être ça, M. Grant. Bien toujours, ou qui te reste là? Ouf, ok. Oh, Monsieur Grant, ça sonne être évocation de bon là, oui. Ça m'a fait là, Monsieur Grant. Deux petits filles, ça m'a fait manger, Monsieur Grant. Et petites filles, pas m'a aller pour manger. Hein? Où vous me faire travailler pour vous, Monsieur Grant? On peut pas parler mon petit monde, Monsieur Grant. Bagaille, pas fait quoi ça? Monsieur Grant, grand monde. On peut pas parler mon petit monde, Monsieur Grant. Vous avez raison, vous avez trop confiance. Dehors! Foutez-le là! Eh bien, ok. On a bien besoin. Julie, le président. Merci. Définitivement, en te parlant, on finit par comprendre que tu es vraiment quelque chose. Merci, monsieur. Je vous remercie, monsieur et madame Watt. Mais je profite de l'occasion pour vous dire que vous avez une fille vraiment bien. Et je vais faire tout mon mieux pour qu'elle soit heureuse. Merci beaucoup. C'est une demande de voyage, ça. Eh bien, levons nos verres au bonheur de Fabio et de Jeff. Merci. Je suis un peu fatigué, alors je vais me coucher. Excuse-moi. D'accord. D'accord, attends, on va dormir, maman. Ah ben, je me motive. Okay. Au revoir, Jeff, et à bientôt. Bye. C'était vraiment. Allez, viens. Sont vraiment bien.
da ba dai. Hey. Bibi da ba ba. Sois le capitaine de votre bateau. 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 Hey. Rootmon. Bra ba. Bré. 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 Que tu sois pucelle ou putain. Que tu sois immoraliste ou puritaine. Faut qu'un bébé tout. Faut casser bébé tout. Faut qu'un bébé tout. Faut qu'un bébé tout, faut casser bébé tout, faut qu'un bébé tout. Ne bouge pas d'un poil de sang comme ça. Hey, hey. Des virus qui tuent les amis et blessent les ennemis. Hey. Le mec te dira relax mon pote, je suis tien. Foutesse, mais ma foi soutient au moins que de tu l'auras. Jéhovah t'a donné la vie à toi de faire les suivis. Jean de château ou sans demeure, Cocorado homme d'affaires. Ce que t'as à faire, c'est qu'il faut revenir au gars de droit avant d'essayer de les plaire. Tu vas, ça nova, piano, sois le capitaine de votre bateau. Tu vas, ça nova, piano, sois le capitaine de votre bateau. Que le but me gagne, il y a ici qu'à plier, mais il n'y a pas de jambes cassées. Et si parfois me balancer, c'est sous tempo la vie à ma pédancée. Je dis à moi comprendre philosophie. Rien ne sert de courir, c'est possible la vie. Les lois jouent plus fait noir. Patience, courage, ses amis en soldat. C'est longtemps, longtemps, dès qu'on prend bois balé pour me faire tourner choual. Courir dans toute sa vente, point papillon pour me mettre dans bocal. Je dis à me grandir, la vie son poste est suite de 3, 4, 5, 6, 7. Il va beaucoup à beaucoup lentement, arrive sur le vent. Ça nova, piano, sois le capitaine de votre bateau. Tu vas, ça nova, piano, sois le capitaine de votre bateau. Si ouais, clocher, si ouais, maintenant, sous les pieds, pas paix. Sous la bien, sous accélérateur, c'est pas excès de vitesse que me prête faire. Me connaît Haïti, pas des highway. Sabi Haïti, pas j'en pressé. Pas pressé, pas plaidé, pas pris de pile. Moi quand tout si route est coupé. Tout ça fait espérer d'avoir le docteur. La vie bonne, nous boit micro. Et ça, mon seigneur chantait. Tu vas sano, va piano. Pour aller lentement, pour arriver sûrement. Tu vas sano, va piano. Soyez le capitaine de votre bateau. Tu vas sano, va piano. Soyez le capitaine de votre bateau. Nena qui sa wap évolué. Pour gagner seule mission dégage au rivé. Boy si plein et qu'abusé à terre pour ta queue. Ou obligé méfier ou crasse crasse bête tout. Que bête tout. Même j'en a John Mogène. Ouais dans tête tout. Bachita a ton yon chauffeur pour mener ou. Passe clé ou devant la vie ou n'en plamé ou. Dis premier chute yon cabagol. C'est qu'on sorti garçon la vie à toile. Même aller à versi ou découragé. Commencez quitter c'est yon beau danger. Faut lever, faut marcher, faut courir, faut... C'est qu'on s'attire garçon la vie à toile. Même aller à Bercy ou découragé. Commencez quitter, c'est un beau danger. Faut lever, faut marcher, faut courir, faut...